pacifisme et rationalité. Je suis l'ingénieur du pain. Je m'appelle Francky. Francky ? Bonjour, Francky. Oui. Toi, comprendre le français ? Tu parles bizarre, l'étranger. D'où viens-tu ? Que veux-tu ? Que cherches-tu ? Je suis à la recherche d'un certain Buck Murdoch. Et je dois me rendre à Pueblo Plata avant la tombée de la nuit. Il me faut 2 chevaux frais et un bon plat de ragoût à me mettre dans le ventre. Voilà 4 désirs extrêmement différents. Je vais reprendre un par un tes 4 desiderata et te prouver par A plus B pourquoi 3 des 4 sont irréalisables. 1. Ou primo, je ne connais pas de Buck Murdoch. 2. Ou deuxio, Rio Plata est à plus de 7000 lieues d'ici. Tu comprendras qu'il m'est pour cela malaisé de t'y emmener dans la journée. Quant à un bon ragoût, ouïda, un coup de fil passé par moi à une personne de ma connaissance, je peux t'avoir vraiment du filet dans le cœur de l'agneau. Tu m'as l'air assez dessalé pour faire bouillir la tambouille. Tu es le genre de type qui me plaît. T'es sympa. T'es mignon. Tu m'as l'air sincère, mais je vais pas t'épouser. Comment ? Non, je parlais pas assez fort, là. Non, mais j'ai un petit problème de surdité. Ah ben alors, vous avez loupé tout ce que j'ai depuis le début ou pas ? Non, j'ai un peu compris. Vous êtes Francky, je crois. Oui, c'est ça, je suis de la région. Non, parce que, enfin, je parlais, comme vous enchaîniez, j'avais cru que vous aviez... Non, mais pour moi, c'était agréable. Mais c'est vrai que ça doit être embêtant pour les gens. Il n'y a pas de problème, monsieur. Sinon, vous êtes dans le coin, là ? Je suis ici pour établir la religion de l'humanité. Mais oui, mais pourquoi vous me dites ça ? Parce que je suis français. Non, mais je suis français aussi, je crois pas. Ah bon, mais je suis d'Amiens, moi. Ah bon ? Oui. Ah, non. Je suis passé à Amiens un jour. On était passé avec ma femme. Mm-hmm. Et on a visité la cathédrale. Comment ? J'entends pas. Je dis qu'on a visité la cathédrale. Oui. Pourtant, je parle fort. Hein ? Non, parce que vous dites je suis d'Amiens. Mais d'Amiens, parce que je connais Amiens. Oui, mais je suis originaire d'Amiens. C'est marrant, parce que j'y suis allé à Amiens. Qui a écrit vos dialogues ? Mais c'est un petit dialoguiste local. C'est pour non, mais je suis sûr que je le connais. Non, ça me gêne, parce que lui-même, il signe pas sous son vrai nom, parce que sa femme croit qu'il fait un autre boulot. Et là vous êtes dans la région, là, au Bénin, seul, accompagné. Vous êtes sans doute avec votre femme, à votre âge, non ? Hélas, je ne suis pas marié. Ah. En effet, je ne suis pas de ce bord-là depuis que j'ai 15 ans. Comment vous me trouvez physiquement ? À mon âge, tu sais, le guichet est fermé depuis longtemps. Ouais, votre ticket n'est plus valable, quoi. Oui, Il n'est plus question de poinçonner. Oh là là, l'heure tourne. Oui, je me suis pas ennuyé une seule seconde, en tout cas. Je pense que les téléspectateurs non plus. C'était très très bien. J'habite à l'auberge de la dernière chance. Lâchez-moi la main. Je t'invite. Chacun paiera sa quote-part et si tu peux m'avancer la mienne. D'accord. Mais en attendant, livrons-nous plutôt à un jeu. C'est toi le chat ? Ah non. Oh ! Il n'y a pas de raison tellement. Moi je... Hé ! Attends, on n'a pas tiré au sort. Je suis désolé parce que... Non, c'est pas moi le chat. Arrête ! Je ne peux pas jouer à chat, j'ai un truc horrible d'enfance au cœur. Je suis malade, je ne peux pas jouer avec les autres enfants depuis que je suis petit à cause de ce souffle. Les enfants se moquent de moi à l'école.